Situé entre la Perle de l'Orient et le nouveau Centre international des expositions de Shanghai, ce musée d'art à Pudong est un site émergent du quartier en bord de fleuve de Liujiazui à Shanghai. Le musée, qui crée un subtil mélange de lumière, d'art et d'images, est le dernier ouvrage du célèbre architecte français de renom et prix Pritzker, Jean Nouvel. Les expositions inaugurales incluent des travaux de l'un des plus célèbres des artistes contemporains chinois, Cai Guiqiang. Des soucoupes volantes aux aliens et aux astronautes, Cai illumine le musée avec ses sculptures de lumière. Ce lieu est un site dans le temps où les civilisations du passé, du présent et du futur se retrouvent. Donc cette exposition à thématique cosmique ne peut pas correspondre davantage. Le nouveau musée présente également des œuvres majeures de Tate, l'institution artistique renommée du Royaume-Uni. Les fans de pré-raphaélisme auront une opportunité de voir de près Ophélia, l'œuvre majeure de Sir John Everett Millais, ainsi que les travaux d'artistes contemporains au Royaume-Uni. Une autre exposition pour l'ouverture du musée présente les œuvres du peintre espagnol et céramiste Joan Miró. Il s'agit de la première exposition de l'artiste en Asie depuis 2014. Nous voulons créer un musée artistique basé sur l'expérience durant laquelle les visiteurs de tous âges peuvent trouver quelque chose qu'ils peuvent apprécier ici. Le musée d'art de Pudong apporte à Shanghai un nouveau haut lieu culturel et discute désormais avec les musées majeurs de la planète pour de futures collaborations.